check, no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. C'est le tout nouveau vlog hashtag 24 avec du dunk du début à la fin. Alors reste bien jusqu'à la fin de vidéo. En début de vidéo, tu vas voir les entraînements en 1 contre 1, donc les petits trucs spécifiques que je peux travailler. Tout de suite après, mon entraînement collectif avec mon équipe. Après, on est sur le départ pour aller au match. Et en plus de ça, je viens corriger du coup mes matchs et on vient regarder mon match ensemble. Et tout ça dans un vlog et c'est celui-ci. Alors si déjà tu sens que ça peut t'intéresser, je sens que cette vidéo va te plaire jusqu'à la fin. Et en plus, il y a du gros dunk. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check, no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass,
last. And this life's gonna eat them. Make mistakes real fast. Then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, I believe in this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic. Yeah, if I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. In my face, no way you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight. Freedom is priceless, spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim. C'est Delta en cuisine. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les frérots, ben voilà, c'est le jour de match. Là, il est midi, tranquillou, je vais manger. Je voulais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai pu acheter. Hein, parce que vous avez vu ceux qui ont pris mes programmes pour dunker. Voilà. Et ben, il y en a qui ont rechangé leur alimentation. Ils ont fait des dingueries. Et puis, je vais vous partager un peu les choses que j'ai pu acheter. Le pourquoi du comment. Je vais pas passer tout le long sur ça. Ça va être court. Et voilà. Là, c'est une vidéo vlog vraiment sur un gros match contre Wedbruch, un truc comme ça. Aidez-moi dans les commentaires. Je fais encore quelques petites fautes. Mais en tout cas, on l'attend ce match. Ce match, je suis vraiment vénère. J'ai envie de jouer à fond et tout donner, tout exploser. Je vous raconte pourquoi. Parce que l'entraînement, voilà, je me suis pris des coups. Alors l'entraînement, tu fais des doubles pattes et machin, tu prends des coups, c'est pas forcément sifflé. Il y a des trucs par-ci, par-là. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais bon, j'ai rien dit à l'entraînement. Je reste focus. Si ça t'arrive, genre de situation où l'entraînement vraiment, ça te casse la tête, ça te fait des fautes et après derrière, il te bourrine, limite, c'est à la limite de la blessure, c'est anti-jeu ou quoi. Ne viens pas t'énerver. Moi, ce que je te conseille, ce que je fais maintenant, c'est que je laisse faire, d'accord. J'essaye de jouer le plus basket que je peux parce qu'au week-end, je vais avoir ça. Ceux qui veulent jouer un peu bizarre aux entraînements, bah, si tu rencontres ça, laisse-les faire et toi, reste tranquille, en paix avec toi-même pour que le samedi, tu démontes tout le monde et après, c'est eux qui vont se retourner face aux arbitres et qui vont dire, ouais, bah, je comprends pas, mais non. Bah oui, mais à l'entraînement, c'était pas bien conditionné à part taper les autres. Donc, les frérots, si vous êtes dans cette situation-là, il y a des trucs qui vous énervent aux entraînements ou autre, vraiment soufflez, ça sert à rien de vous énerver pendant que les autres s'énervent ou font n'importe quoi. Toi, tu progresses, ça sert à rien si tu progresses de le dire devant tout le monde, ouais, mais moi j'ai vu ça, j'ai fait ça, ça sert à rien, les frérots. Ça, c'est un petit conseil pour la Delta famille. Donc là, ce que j'ai pris, les frérots, des brocolis, bien sûr, parce que ça, tu connais, il y a les brocolis. Là, j'ai pris des petites courgettes, hein, ça, je vais faire ça tranquille avec des oignons et ma petite sauce coco, ce qui remplace la crème fraîche. Hein, ça remplace complètement la crème fraîche, c'est vraiment bon. Et en plus de ça, des fois, je rajoute ça. Ça, c'est un secret de ouf. Parce que des fois, tu vois, je te dis de manger des légumes, mais quand tu les manges, c'est pas trop bon, gros. Tu vois que c'est bon, mais c'est pas ouf, tu vois. C'est pas comme un burger, tu vois. Donc, franchement, je rajoute ça, c'est un arôme. Non. Alors là, gros, ça, il n'y a pas d'hésitation. Ça, c'est dinguerie, lait de coco. Ensuite, là, j'ai pris quoi? Bah, j'ai pris les petits specs gourmands, voilà. Ah, Nutri-Score, hein, voilà, c'est... Bah non, mais je mange aussi du steak, hein, ça dépend. En fait, des fois, je prends ça, des fois, je prends du vrai steak, voilà. Toi, là, je vais me faire un filet de poulet à midi avec des courgettes et puis beaucoup de verdure et puis un peu de pâtes, mais des pâtes complètes, voilà. Voilà, 15 balles les pâtes. Non, mais voilà, des pâtes complètes. Là, j'ai pris, voilà, des petits trucs comme ça. Voilà, on fait vite des avocats. Tu sais ce qu'on va faire, mon chef? Du guacamole. Et ça, mon gars, t'as ou t'as pas? Du guacamole, t'achètes pas ça pour faire tes petites chips. Non, tu prends du pain complet et ça te fait des petits toasts et tu manges bien. Mais attends, et après, tu prends des petites patates comme
ça, tu fais de l'huile d'olive. Je suis trop content. Je suis trop content parce que je vais bien manger. Là, j'ai pris ça, petit boulgour aux épaules, petit légume. Enfin, voilà, tranquillou. Hein. Là, j'ai pris aussi. Bon, voilà, je me suis lâché. Hein. Thon piquant, voilà, ça, c'est un petit truc. Voilà, je prends. Ça va me faire du bien. Des petits gâteaux, gerblés, ça, ça fait du bien. Voilà ce que j'ai pris. Petite barre énergétique au cas où si j'ai un petit coup de mou. Et puis voilà, ma petite Rosanna, hein, si j'ai les jambes lourdes. J'ai déjà bu une bouteille d'un litre 5 avant, là, dans la journée. Faut que je reboive ça, ça fera 3 litres. 3 litres, et puis là, je vais boire ça, ça fait 50 centilitres, ça fait 3 litres, 50 centilitres. Et voilà les frérots, là sans plus attendre, on va faire à manger, ça chauffe en plus. Et on se rejoint pour le vlog, on va aller au gymnase tout à l'heure. Voilà, on va y aller bien en avance pour se préparer. Parce que comme je vous ai dit, il y en a gros sur la patate. L'entraînement, j'ai juste envie c'est de me venger et tout donner sur cette... sur ce match. J'ai tout envie d'éclater, j'espère que vous avez tout envie d'éclater parce que on progresse et là j'ai une envie les frérots de sauter. Regardez les gars, j'ai été mettre les bas de contention, les frérots, c'est pas pour rien. Là c'est vraiment que voilà, j'ai été en plus de ça à cause de cet entraînement que j'ai pris des coups, j'ai été obligé d'aller voir un éthiopathe, ostéopathe parce que j'avais tout, j'étais un peu bloqué après, la tête penchée, j'ai tout été bloqué, le cou, les hanches, le dos. Les genoux, il y avait au niveau du tibia un truc bloqué, les chevilles, c'était n'importe quoi. Donc là, les frérots, je suis au taquet, let's go! En attendant que ça cuise, là, il n'y a pas à dire, les chefs. Un petit pas complet thon. Mmh. Mmh. Wow. Oh, yeah, yeah, mon chef, mais qui voilà? Gâteau chez toi. Mais j'ai pas à manger. Ah, de mon cul. Si, ouais, crois pas. Bah, on sort, tu niques tout, quoi, ça. Ce soir. Ouais. On verra dans la vidéo. je me régalais. Ah, ça sent le gâteau de fou en bas, là, dans l'escalier. Mais en fait, c'est pas chez toi. Là. Non, j'ai pas fait de gâteau, par contre. Non, il va se faire couper les cheveux, les frérots. Il va arrêter de faire couper chez toi. Pourquoi? Au bout d'un moment, ta tendance elle va plomber. Ouais. Je vais me retrouver avec une coupe là, coupée, et là, pas coupée. Et je te promets, je te repulse. Ah, t'inquiète, on va gérer. Toi, tu le sens comment, toi, le match? On va voir si mon Hugo, depuis l'extérieur, tu le sens comment? Victoire, une grosse victoire. T'es sûr, ouais? Et Fjord Night perd. Ah ouais? Avec ça, on est premier du classement. Ok. Ce soir, tout pète. Tout pète. Mais moi, tu vois comment je le vois? C'est anarchie, toi. Moi, je le vois genre ce soir. En fait, moi, c'est qui tout double, je pense, ce soir. Attends, viens dans le cadre, hein, ne va pas. Moi, je dis ce soir, c'est qui tout double. Soit on galère, et si on galère à gagner ce soir parce qu'en fait, on joue pas en passe. Parce que du coup, dès qu'on joue pas en passe et on joue pour soi-même, se montrer ou quoi, bah on est nul, vraiment nul, vraiment. Donc si on fait ça, c'est laborieux. Si on commence à juste à faire des passes, à jouer, faire confiance aux autres, c'est plus 20, plus 30, ouais, je pense. D'accord avec toi. Maintenant, Fjordenheim va gagner ce soir, j'en suis sûr. Mais contre Nancy, ça va être autre chose. Moi, je suis pas sûr. Non, c'est sûr. Je pense. Et par contre, Nancy, ils vont faire de l'âge. Je pense que Nancy peuvent éclater. Nancy, ils jouent à faire de l'âge, ça va être chaud. Quoi. Non, non, mais les Nancy, c'est des gamins, gros. Ils sont chauds de ouf. Ils vont dunker. Ça va dunker. Non, on verra, les gars. En tout cas, voilà, ça, c'est les petits. Nous, c'est ce qu'on pense. On verra bien. De toute façon, avant tout, s'amuser. Aller à fond dans la progression de ce qu'on a vu dans les vidéos. Mmh. Essayer d'aller au plus haut. Toi, t'es recroisé, mais là, ça commence à revenir. On a fait un contrat. T'es à combien de mois? 5 mois. Enfin, 5 mois? De pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est parce que tu te sens bien à 5 mois, machin. Alors, il a bossé comme un ouf. Et tu fais attention aussi. Toi, tu mets pas ton pied sur moi. On va pas au drag. Voilà. On saute pas. Il saute pas. Vraiment, c'est vraiment. 5 mois décroisé, ça dunk par contre et tu drive. Oui, oui. Mais il y a les bons exos. Après, bon. Il y a les bons exos. Un autre programme par contre. Mais voilà, en tout cas, les gars, ça c'est dingue. Là, on va couper la coupe de cheveux. Oh merde, la tête du gamin. Ah ouais, c'est vrai. Et là, c'est suivant comment je mets le fil. Oh. C'est pas rassurant. Un jour, on va pas faire un flore. Je vais racheter un filet. Un jour, elle va péter. Hein. Ça fait 3-4 mois qu'elle est dure, évidemment. C'est bon, on va faire une belle coupe. Ah, mais c'est bon. Ça va aller. Pose la caméra, je me concentre, je vous montre le résultat vite fait après. Je vais rentrer chez moi surtout.
La question, les gars, est-ce que je suis prêt? Je suis méga prêt. Est-ce que j'ai envie de jouer? J'ai envie de jouer. Est-ce que je me pose des questions? Ouais, je m'en pose. Mais est-ce qu'il faut aller de l'avant? Il faut tout défoncer. Ouais, les gars, faut tout défoncer. Donc, les gars, c'est parti. On y va. On va au match. La petite bouteille d'eau, le trépied de match. Il y a tout. Normalement, tout est dans mon sac. Là, on perd pas de temps. On y va avec la motivation. De toute façon, ça fait quelques temps que j'ai déjà préparé ce match dans ma tête. C'est très important de préparer vos matchs avant dans votre tête. On y va avec une bonne mentalité. Le sourire, c'est important. On kiffe. On y va. On a de la chance de jouer. Et on en est conscient. Alors, on va tout donner. Allez, let's go, les gars. Allez, c'est parti. On est chaud, mon kiki. Allez, c'est. Oh là, il n'y a plus le radar de recul. Oh non, mais l'autre, il s'est collé en plus. Je rigole. Faut pas trop que je rigole, parce que quand même... Oh, la classe. Delta Mobile, voilà. J'en profite qu'on fait le petit trajet, les frérots, hein, pour vous dire qu'il y a le Discord. Et le Discord, on échange tous ensemble sur le Discord. C'est plein de basketteurs, il y a des entraîneurs, des arbitres, des coachs. Puis tout le monde échange sur son parcours. Et puis s'il y en a qui rencontrent des soucis, en plus en ce moment sur des dribbles, sur le programme Dunk, sur des trucs, voilà, ils ont des sensations, des douleurs. Et bah, ce qui est bien, c'est que c'est une communauté basket. Tu vois ce que c'est, un forum, bah voilà, là je t'en parle, t'es de Discord. Et puis voilà. Alors j'en profite que je suis en route. Alright, je vais mettre un petit peu de musique. Et puis tu as également bah le site où il y a le programme Dunk qui est sorti. Donc ça, c'est vraiment une dinguerie. Franchement, ça m'excite de ouf, parce que sans vous, j'aurais jamais pu sortir ça. C'est vous qui m'enjaillez, en fait. Vous m'enjaillez de ouf. Mais faut pas trop m'enjailler, parce qu'après ça va être quoi, la site? Punaise, là c'est beaucoup déjà. En tout cas, c'est bien. Putain, je suis tellement content de transmettre, parce que je sais le mettre, réussir à le mettre sur internet. Parce que beaucoup, souvent on a beaucoup de trucs en tête, on aimerait bien faire ci, on aimerait bien faire ça, et on n'y arrive pas parce que on est dépassé par la technologie ou autre. Mais là, c'est pas le cas. Donc c'est bien. Ça prend du temps, ça fait du boulot tous les jours. Je me réveille tôt, mais il y a le contenu. C'est bien, voilà, là c'est parti. Oh, il y a du monde dehors, les gars, il y a du monde. J'espère qu'il y aura du monde dans les tribunes aussi. Après, on a fait les affiches et puis on a fait une com aussi également. Donc j'espère, on verra. On verra la tire. Il y a Slayer. Oh, let's go. Oh, les gens, ils doivent se dire fou. Il est fou. Je suis trop chaud. Caca. Je vais faire tout. Tranquillou, mon gars. Voilà, comme ça, j'ai tout le temps, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Je suis vraiment à l'avant, je me mets dans mon match. Bon match ou mauvais match, on va se donner, tout simplement. Voilà. Bon, il y a déjà la musique, donc je vais vous parler déjà là un petit peu. Pour vous expliquer, ça je voulais vous dire un petit mot. Si des fois l'entraînement, voilà, vous vous retrouvez avec ce qui est important, parce que moi c'est en fait, pourquoi je vous en parle de ça, c'est parce que c'est des trucs que je veux, que des fois que je peux vivre, et le fait de le partager avec vous, ça peut aider certains. Donc si, admettons, tu te retrouves à l'entraînement et puis que tu vois que, j'ai enlevé les lunettes quand même, là, on est à l'intérieur quand même. Si tu vois quand même qu'il y a des gens, bah, t'es au-dessus, hein, en défense, enfin t'es pas au-dessus, je veux dire si t'es vraiment au-dessus de quelqu'un au niveau d'attaque et puis que tu vois que bah, tu marques à chaque fois sur des doubles pas ou autre, va peut-être pas chercher que ça, essaye d'aller travailler énormément sur autre chose. Hein. Je pense que c'est bien si vraiment, bah, te cache pas derrière ça, non, j'ai pas attaqué parce que j'ai voulu travailler autre chose. Mais moi ça m'arrive des fois aux entraînements d'avoir plus des autres personnes qui sont plus jeunes ou qui ont un niveau plus en dessous, et du coup je vais pas tout le temps driver ou autre parce que je veux vraiment aller chercher une progression, ok. Et des fois au mieux de stagner, et bah stagner c'est souvent, on dit bah oui mais là tu peux stagner dans ce club, tu peux machin, bah oui c'est, ça dépend de toi. Si tu joues comme un bête sur toutes tes qualités physiques et tu mets tout ça en contribution et tu joues à fond sur ça tout le temps, à bout d'un moment, s'il n'y a pas quelqu'un en face de toi pour t'arrêter un minimum, bah, tu ne vas pas progresser, c'est vrai. Mais par contre, si en face de toi, peut-être c'est plus faible ou autre, mais par contre, tu joues différemment sur tes trucs, que tu as plus de lacunes et que tu essayes d'améliorer ça, là, tu deviendras plus fort. Voilà, ça, c'était le petit mot parce que c'est important pour beaucoup. Moi, c'est ce que je vis des fois. Puis même après ça, des fois, tu vois, tu ne veux pas jouer sur tes qualités physiques et puis même à l'entraînement, et c'est là que tu perds. Et là, c'est frustrant encore plus. Donc là, c'est un gros moral. Mais bon, si tu arrives à faire ça, tu seras... Le moral est très important et ça va te le construire petit à petit. Voilà, les gars, là, on repart. Là, on repart. Mes lunettes, parce que je vais pas les mettre dans la poche, je vais les cacher. Allez, let's go. Hey, ok, les... Ok, gros, ça va? Donc là, dans les vestiaires, on est les premiers au calme. Ça, c'est les petits bacs qui vont les remplir d'eau. À chaque fois, enfin, on met les... On glace d'un seul coup, hein, c'est bien pour les articulations.
surtout pour moi, c'est sûr, c'est bien. Et regardez les gars, je vais vous emmener vers mon petit endroit. Regardez, ça c'est notre petite salle. Et là les gars, on va prendre les élastiques. Déjà j'aurais besoin de ça. Voilà, les élastiques, ça c'est important vraiment pour travailler les fessiers juste avant. La balle de tennis, on va travailler un petit peu de rapidité. Mobilité, donc ouais, c'est bon. En fait, il n'y a pas besoin de grand chose. Ah les gars, allez, un match à pas perdre. Les gars, ils sont là. Ils arrivent, ils sont chauds. Ça mon chef, arrête-toi. Lui m'a fait perdre 50 balles à l'ostéo. Voilà, les gars, ils sont chauds. T'es chaud François? Je suis chaud, 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 chaud. Chaud patate. Chaud patate. Tu vas dégainer à 3 points, j'espère là. Ah oui les gars. Si on me donne les ballons, si on ressort les ballons. Ouais c'est bon, t'inquiète. Toi ça va mieux la chute, mon chef? Les gars, ça va mieux, de mieux en mieux, tu vois. Continue de bosser. Ouais. Puis on va voir ce que ça va donner, tu vois. Parce que t'as quoi là? Comment? T'as quoi là, la cheville? Exactement. Il y a une entorse grave de la cheville, tu vois. Grosse entorse, du coup il est obligé de s'en remettre petit à petit. Ouais. Donc, entorse gastro, donc voilà, la totale. Vas-y, vas-y, foutain de ma gueule, gros. Et c'était chaud, hein. Et j'ai vu ma vie défiler devant moi, gros. Ouais, parce que t'étais à l'hôpital à cause ah de oui, ça. Ah oui, j'étais aux urgences. Et j'arrêtais pas de gerber, mon gars. Ah non, mais c'est nerf. C'est nerf. Eh, ça me fait, j'avais chaud, mon gars. J'ai jamais gerbé autant, tu vois. Putain. Oui, mais là, c'est du passé. Ah, c'est du passé. Tu vas nous la redonner, puis tranquille. Voilà. Ah bah non, c'est déjà soigné. Tu c'est soigné. C'est soigné. Bon, Antoine, là, il est chaud. Il a fait un contrat avec moi toute la semaine. Ouais. Là, les gars, il n'y a aucun. Peu importe l'âge, le niveau, N1, N2 en face, le gars, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il va se battre la petite boucle d'oreille de Gézouz en plus. Ah putain. Oh là là, le chef. Non, les gars, là, c'est l'éclate. Ludo record aujourd'hui. Mon Ludo record, hein. Non, mais pas Inch'Allah, et là, c'est sûr. Non, non, là, c'est record, les gars. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Vous verrez les highlights de la vidéo. Oui, oui, la vidéo. Allez, c'est parti les frérots. Donc là, c'est une vidéo contre Weightbridge. Donc voilà, là, c'est juste un kiff. En plus, il y a eu la présentation des équipes avec les petites, l'équipe de mini basket, celle que j'entraîne aussi également. Donc j'entraîne jusqu'en U15, bien sûr. Mais voilà, donc là, c'est présentation des équipes. En plus de ça, donc les petits loups étaient là au match. Donc ça, ça fait grave plaisir. Ça doit être une source de motivation, clairement. Voilà, donc moi, je rentre avec deux enfants. C'est méga cool. Ouais, j'étais content. Voilà, j'espère que, en tout cas, on va venir corriger quelques trucs positifs et négatifs lors du match. Et puis voilà, là, ça débute directement. Je suis en possession du ballon. J'attaque fort derrière. Je loupe. Mais il y a mon grand, le serve, qui arrive pour mettre un bon dunk comme il se doit. Donc là, c'était bien. Il a bien suivi. Je donne en bas. Ça regarde à l'opposé directement, il fait une feinte, shoot pour voilà, il se libère grâce à sa feinte, il s'est libéré, donc ça c'est très bien. J'attaque dans le milieu, j'essaye de donner derrière, c'est pas réussi. Vous allez voir que je vais mettre toutes mes erreurs. Hein. Donc là pareil, je réattaque, bon il met sa main, c'est chiant, mais il n'y a pas d'excuse. On ne fait pas de passe dans le même axe, c'est très compliqué. Ou sinon tu donnes à l'aile pour qu'il donne en bas, mais tu évites de faire une passe dans le même axe. Donc là pareil, stop, à votre avis. 1. La caméra, ça va la toucher et elle va tomber. Est-ce que 2, la caméra, ça va la toucher et on va plus voir le panier? Est-ce que 3, est-ce que ça va rien faire? Est-ce que 4, la ballon a touché une meule de comté? Ou est-ce que 5, autre solution? Je mets une petite pause comme ça, je te laisse réfléchir, toi. D'après toi, qu'est-ce que tu mettrais? Allez, mets vite fait en commentaire. Je te laisse le temps. En attendant, je te mets juste un petit truc, voilà. Mais voilà, ça te laisse le temps de vraiment d'aller checker et puis de me dire ta réponse. Eh ben allez, on remet play et regarde. Ça a touché une meule de comté. Ouais, parce qu'en fait, on a des meules de comté en plastique qui s'étaient juste devant ma caméra. Ça l'a sauvé. Donc là, voilà. Balle dans l'axe. Boum. On regarde ce qui se passe. Voilà. Ça donne en bas parce qu'on voit qu'il est tout seul. Je coupe derrière. Et normalement, il voulait la faire. Je sais pas. Je pense au 7. Je l'ai pris. Hein, écoute. Voilà. Donc là, c'est le premier carton. Toujours, c'est loupé. Je prends le rebond. Je loupe derrière. Vous allez voir qu'au premier carton, j'étais beaucoup mou. Enfin voilà, je vous expliquerai ça après. Boum. Là, je viens créer, il n'y a rien. Bon, bah, c'est pas grave. Écoute, on revient, on essaye de rebosser. Là, il reste 4 secondes. Ça me leur donne ici. Bon, bah, il faut marquer. Shoot à 3 points. Boum, c'est dedans. Donc ça, ça fait plaisir. Ça me permet de me remettre bien dedans au deuxième carton. Parce que premier carton, c'était vraiment pas cool, quoi. C'était vraiment pas ouf. Voilà, j'étais trop mou. Perte de balle sur perte de balle. Mais bon, je me suis repris. Boum, là, j'attaque fort.
hop, je roll, enfin je fais le petit reverse qui va bien, j'emmène dans l'axe vraiment et puis je fais le reverse, ça va bien fonctionner. L'écran de Thibaut, ça permet, hop là voilà, il le joue en bas, notre 11. Ici, j'attaque, je vois que c'est pas possible, donc je redonne directement pour pas trop geler le ballon. Une erreur sur les premières vidéos que vous avez vues. Boum, il le joue, boum, c'est dedans. Là, c'est sa zone de confort de ouf. J'attaque fort, je vois que je peux pas, on relâche, et voilà, tout simplement. Au moins, j'ai attaqué, j'ai couru correctement, mais ça veut pas dire que je dois tout le temps finir. Et ça crée un shoot après derrière, donc ça, c'est pas mal à notre Kevin. Boum, il feinte le 10. Il n'y a rien, là on se bat un peu n'importe comment, ça shoot derrière, il le met un peu ric-rac ces shoots-là, mais il le met, hein, c'est bon tir. Voilà, donc là on la rejoue, on essaie, je suis vraiment large à l'opposé comme tu peux voir. Qu'est-ce qui se passe? On la donne en bas, il la joue directement, donc là ça voilà, s'il y en a qui sont poste 5, ça peut faire une bonne identité. Là je prends le ballon, possession du ballon, j'annonce un petit truc, et regardez les frérots, là, voilà. D'accord. Là les frérots, ça me fait du bien. Attends juste, je te la remets directement les gars, j'avais annoncé. Après je vais te dire pourquoi j'ai réussi à avoir ces trucs là, mais regarde, on va remettre possession du ballon, tout le monde s'écarte, après il y en a qui arrivent. Et là ça fait du bien, ça redonne de la confiance franchement et c'est... Paf. Aïe. Juste un petit truc les frérots. À savoir que vous m'avez vu pendant un petit temps plus sauter, bah, c'était logique, j'étais en plein programme dunk que je suivais pendant longtemps, et puis quand tu fais ton programme, bah, t'as plus de jambes. Donc pour sauter, c'est encore plus compliqué. Que là, je l'ai fini pendant un petit temps, voilà, ça fait au moins deux semaines que je le fais plus. Je suis plus sur de la mobilité, étirement tout le temps, sans faire de renfort, rien. Là, je vais en refaire au moins pour mes chevilles, parce que vous allez voir que je me suis fait mal à la cheville, et puis elle a besoin d'être un petit peu plus puissante et forte pour quand je mets les impacts pour aller au dunk. Mais sinon, je vais pas aller plus loin, voilà, je vais pas me cramer plus. Et puis voilà, c'est la récompense. Juste de voir ça, le dunk comme ça, c'est la récompense. Au début, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait que je prenne beaucoup plus de force en haut pour pouvoir mettre des tomards sur la tête des autres. Mais pas du tout, en fait, les frérots. À savoir que pas du tout. Hein, je muscle pas du tout le haut de mon corps, moi. Enfin, je l'ai fait avant pour aller sur la plage, mais là, pas du tout. Donc, comme quoi, en fait, il y a autre chose à travailler. Donc, bon, ça, je le dis dans d'autres vidéos, ou alors sur les Discord, ou alors sur mes programmes. Mais voilà, juste à savoir. Là, on repart directement. Donc, ça met bien de la confiance à tout le monde. Ici, il la redonne, j'attaque, mais je vois que c'est un petit peu ric-rac. Je perds un peu le ballon, mais hop, du coup, je ressors directement. Il y a une shoot. Ben, il y a shoot, et puis ça rentre. Hein. François est chaud, là. Voilà, il y a 29-29. Donc j'attaque fort, pareil, hop, voilà, malheureusement c'est loupé et il y a eu une faute, donc tant mieux, on va pas se plaindre, je mets mon premier lancer, mais pas le deuxième je pense, je regarde à l'opposé, dommage qu'il le met pas, après il y a le serbe qui est encore là, au rebond, il était là pour nous aider, donc quand loupé, il venait, donc voilà, ça c'était cool. Et d'ailleurs, regardez, est-ce que vous avez ce petit tic vous aussi, quand des fois vous voyez sur le terrain, vous savez le truc du milieu, il tournait, que c'est pas la même, la ligne elle est décalée, enfin voilà, je voulais mettre ça, ça m'amuse. Là, hop, je suis bien à l'opposé, je prends la balle, je fais feinte, j'attaque, mais je vois que c'est pas le bon truc, c'est tout serré, on relâche à l'opposé. Voilà, bon, c'est pas mis, dommage. Là, pareil, je ne peux rien faire, on lâche, ça va vite, le ballon, il vit, donc ça, c'est bien, vraiment. Ça crée un shoot pour le 11, il met dedans, ça, c'est parfait et ça fait plaisir. Voilà, tout le monde se fait plaisir. Là, c'est grave bien. Il attaque la numéro 13, il cherche à l'opposé, je réattaque, je relâche aussi également mon ballon, il relâche. On essaye de créer des choses pour avoir un tir ouvert et là, derrière, j'ai pas coupé, pas suivi. Donc, malheureusement, voilà, le ballon est allé. On touche. On touche. Je sais pas pourquoi je fais ça. Là, contre-attaque et là, c'est quoi? Il y a faute et... C'est dedans, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute, hein, mais non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute du tout. Boum, il regarde à l'opposé. Moi, je suis dans l'axe, je demande le ballon, il me voit. Faute avec, parce qu'il défend un peu pas bien, quoi, le 12 là. Mais voilà, donc tant mieux. Il me donne, il la voit. J'étais content parce que c'est rare qu'on me voit comme ça, donc c'était cool. Vous avez vu même qu'il a changé de coupe de cheveux. La coupe de cheveux maintenant est blanche, jaune, ou je sais plus trop. Là, on change de côté. Boum, je suis à l'opposé. Il peut la mettre, il la met. Donc voilà, on y reste large. C'était son duel, il l'a joué. Là, hop, il la voit, bonne lecture, il la donne direct, donc il y avait le shoot ou alors la passe en bas. Donc voilà, il fallait privilégier la passe en bas, bien sûr. Là, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, en transverse à l'opposé, il y a un écran pour notre serbe. Boum, il shoot directement, zone de confort, je prends le rebond. Boum, on joue sur lui, ce qui est plus petit.
Souvent, si vous êtes plus grand et quoi, ne redescendez pas le ballon, laissez bien les bras en l'air. Là, j'aurais, voilà, ça va qu'il ne l'a pas prise, mais bon. Voilà, hop, j'attaque, percute fort dans l'axe, vous verrez que je le fais souvent et je lâche. Puis quand c'est mon moment, je mettrai, mais souvent, voilà, je percute et je lâche. Là, pareil, je demande la balle en bas, c'est pas possible, je la redemande aussi. Je joue. Et poste 5 ou pas, nous? On n'est pas poste 5, nous? T'as pas vu les bibis, gros? Vas-y, je costaud. Non, mais voilà, donc c'était cool, bien vu sur ça, là, ça se bat, bah. Là, c'était la bagarre. Là, c'était... Ok, oui, juste attends. C'était la bagarre, mais regardez, la bagarre. Ce qu'il faut que tu fasses, ce qui est important, parce qu'on regarde les vidéos, mais il faut aussi progresser, comme vous, comme moi. Et on regarde bien, en rigolant, hein, bien sûr. On peut apprendre en rigolant, hein, sinon tu te fais chier, c'est sûr. Regarde, là, regarde, t'as un shoot, mon gros. Il y a un shoot, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en rebond? Mais s'il y a un gars plus grand que toi, ou si t'es mal placé, c'est compliqué. Donc, ce qui est bien à faire, donc peut-être t'as pas forcément payé, mais je te le dis, c'est qu'à chaque fois, tu vois, tu mets tes bras, tu descends le plus bas possible. Plus t'es bas, plus ça va les embêter, surtout les plus grands, parce qu'au niveau de tes genoux, ils vont être là, et on est, ça, il est relou. Et tu les écartes et tu recules. Regarde. Et l'écarter, mais la balle, elle va trop derrière, du coup, bah, je saute pour aller la chercher. Donc, ça va qu'il y a eu quelqu'un qui arrivait là, Joseph, pour avoir le ballon. Mais voilà, pense bien à pas aller chercher le ballon, à aller écarter avant ton joueur, et ensuite, limite, il tombe par terre le ballon et tu le récupères. C'est mieux. Donc, la shoot du Serbe, il est à droit. Donc, ça fait du bien de le retrouver comme ça. Là, ça donne à l'opposé. Voilà, j'attaque. Parce que souvent, je prends le ballon, j'attaque, il y a tout le monde qui vient sur moi par peur que je vais à driver. Bah, du coup, je lâche, hein. M'embête pas. Là, par contre, je joue après un petit peu pour moi, ça fait un petit peu plaisir. J'essaye de lever la tête, ça, je le mets souvent. Hein, ouais, on a dit c'est de la chance. Non, c'est pas de la chance, je fais ça tout le temps, j'adore. C'est deux sur moi, mais il n'y a pas. Hein. Faire attention des fois, relâcher bien l'opposé. La chute de pareil de notre kéké avec une passe à l'opposé. Boum, faute. Il s'est lancé, il met le premier et il met le deuxième. Et ça, c'est excellent. Là, il se bagarre en bas, on lui donne directement dans le même axe. Donc voilà, tout à l'heure, je te dis, regarde bien, je te dis pas de passe dans le même axe. Quand tu joues sur cette situation-là, où là, il est carrément ouvert, vraiment, il la demande bien, là, des fois, tu peux lui faire, d'accord? Mais c'est vrai qu'il faut, il y a certaines passes, là, je pense que ça, elle est bien, il faut la faire, mais il y a certains moments, les passes dans l'axe, il faut éviter. Il faut plus aller chercher sur un côté, comme vous allez voir, j'ai fait une perte de balles sur ça, on se corrigera ensemble, mais voilà. Donc là, je remets play, donc il l'a bien, il contient bien son joueur, c'est important pour bien avoir le ballon. Il y a faute, l'arbitre, il le sait, mais c'est pas grave. Là, le petit, en force. Ça fait du bien, les jambes sont libérées, donc là on revient au dunk et voilà, vous me motivez aussi de ouf. Regarde, voilà, celle-là, regarde, mauvaise passe, là c'est, j'ai fait la merde en boîte. Regarde, là je suis là, il demande la balle en bas, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Ah les gars, faut que j'aille me décaler un petit peu sur la gauche et lui donner, voilà, que là je lui donne directement, limite, hein, à 1 mètre près on est dans le même axe, c'est limite, voilà, du coup, voilà. Puis ma passe est mal faite, il me le dit, hey, décale-toi là pour la faire. Après, je dis oui, t'as raison. Et puis voilà, j'ai pas parlé là, c'est vrai. Hop, on redonne à l'opposé. Il y a un shoot directement, donc il est ouvert, le 7, parfait. Là, qu'est-ce qui se passe? Il relâche encore la balle, le 7, il donne à l'intérieur. Nous, on est à l'opposé, il crée un truc pour moi, enfin, il veut jouer avec autre chose, mais il attaque le cerf, donc voilà. Il a les fautes, directement, bah, il met sans lancer, ça c'est grave bien. Là, je me gratte parce que ils m'ont... Ah oui, j'avais une boule là. D'ailleurs, je suis allé voir les gars, je fais les gars, j'ai une boule, je m'inquiète, j'étais inquiet. Enfin bref, je l'amassais du coup. Enfin bref. Voilà, là, je suis à l'opposé, ça joue un peu la bagarre, là, ça joue, boum, je suis bien, j'attaque fort du coup et je vais chercher derrière Sigma. Hein, parce que sinon, j'allais me prendre un cake. C'est payé pour moi. Là, petit lancer franc, donc là, je crois que j'en ai... Ouais, c'est bon, ça tombe bien. Boum, on joue fort, costaud. On la remet bien directement en bas, poste 5. Non, mais là, les gars, pour poste 5 avec moi. Là, j'attaque fort, je vais aller au deck. Et punaise, il m'arrache les... Ah, je suis dégoûté, les gars. Je vous ai remis justement exprès en ralenti. Regarde, là, il met... Je saute et là, il manque encore. Là, si j'aurais été vraiment au-dessus, j'aurais mis dessus. Même avec faute. Donc, les gars, faut encore progresser, les frérots. Là, faut encore prendre de la détente. Mais je vais pas le faire maintenant, sinon je vais me cramer mes jambes. Et pour les derniers matchs, ça va plus sauter. Donc, on va continuer tout simplement les petits trucs là. Voilà, prendre soin de nos jambes, aller chercher la mobilité, les étirements, bababam. Et puis cet été, les gars... On va re-suivre le programme que j'ai sorti à fond et on va regagner encore ces centimètres pour mettre ces gros dunks. Voilà, juste ça. Voilà. Je suis trop excité. Je suis pressé de commencer. Là, je me mets, je suis ric-crac un peu, bout des pieds. Hop là.
Et là, après, ça va, c'est mieux. Donc voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? Balle en bas, il joue, il me regarde. Boum, j'attaque, j'ai un gars qui est ouvert, le Serbe. Bon, il loupe malheureusement, c'est pas grave. On la récupère juste derrière. Pareil, j'indique qu'il faut la donner là, pas à moi. Boum, je l'ai, on redonne en bas, on reteste. Là, il y a Ludo. Boum, il est tout seul. Et Ludo, et ça marque. Voilà, là, c'est bien. C'est bien, mon Lulu. Là, contre-attaque, ouais. Donc là, regardez, ça, ça fait plaisir parce que les jeunes du club, ils ont marqué. Donc en fait, c'est des jeunes du club qui nous aident vraiment sur, sur les entraînements, sinon on n'est pas 10. Et ça fait plaisir, le coach leur a fait confiance. Et ça, je suis grave content. Et moi, quand ils marquent, bah, je suis heureux comme si j'avais mis un dunk. Ben moi, c'est comme ça, je suis, voilà. Je me rappelle que quand j'étais petit, voilà, il y avait, je rentrais et puis... Puis on me donnait le ballon, je marquais, tout le monde était content. Ben là, c'est pareil. Mais gars, quand après, je lève le poids parce que je suis heureux. Je suis heureux qu'ils aient marqué. Puis après, il se repasse la même chose, donc avec un autre jeune du club, du coup. Et puis voilà, les deux ont marqué, donc ça, c'est grave stylé. D'ailleurs, là, je sais pas. Là, en attendant, je vois que j'ai mis un coup dans la gorge, donc on a dû arrêter. En fait, c'est quand on m'a fait la passe, je me suis retourné. Lui, il faisait un écran ou je sais pas quoi pour me... Voilà. Et puis en fait, bah, j'ai mis les coudes avant quand je me suis retourné. Je sais pas, peut-être en protection, et je l'ai pas fait exprès. Du coup, bah, il a pris un coup dans la gorge, donc voilà. Ça, c'est relou, ça va que ça n'a pas été très très grave. Je me suis excusé après, mais voilà. Donc c'est pour ça que quand vous faites des écrans, faut vraiment faire des gros écrans bien forts. Et au moins, voilà. Là, pareil, ça a marché, hein. ça marche plutôt pas mal, le petit reverse. Hein. J'ai pas l'habitude de le faire, mais là, on avait fait, ça a payé. Là, on demande, non, il shoot, voilà, il a mis le petit 3 points, donc ça, ça fait plaisir. Et après, regardez, il abuse Ludo. J'ai même pas, là, regarde, bon, c'est fini, ça a pas compté, mais regarde, j'ai même pas d'élan, il m'envoie sur un aller où je fais pas 2m25, les gars, je sais qu'on a travaillé la détente, mais quand même, mais j'y vais quand même parce que c'est le truc, voilà. Non, mais voilà, surtout qu'on faisait beaucoup d'aller oop à l'époque avec mon Ludo, donc on aimerait bien retrouver ça. Mais voilà, donc match fini, on va prendre directement sans perdre de temps, parce que pour pas que la vidéo dure trop longtemps, les points positifs et négatifs. Point négatif, en tout cas au niveau de moi, c'est que dès le début du match, je me mets pas dedans. Et ça fait plusieurs fois, plusieurs matchs où j'arrive pas à me mettre dedans directement. Alors le pourquoi du comment, je sais pas. Je sais que j'ai trop à regarder comment ça se passe, à l'opposé, les joueurs, comment ils jouent, machin. Et puis en fait, je rentre dans un truc directement, ce qui fait que ça m'endort un peu. Et puis après, je me réveille et boum, c'est parti. En fait, après, c'est parti. Donc essayez de que ça soit, ça fasse pas ça trop souvent, hein, parce que là même le coach était obligé de me sortir pour me remettre dedans et puis après je suis revenu et boum, ça a tout explosé. Donc voilà, faire attention à ça vraiment. Après, point positif, c'est vraiment que bon, voilà, déjà j'ai su corriger beaucoup de choses par rapport aux erreurs d'avant. Il y en a, bah, c'est carrément à côté, il y en a, c'est encore des fois petites erreurs, après c'est positif, petites erreurs, donc... Voilà, c'est pas encore du grand acquis, notamment quand j'attaque, regardez à l'opposé. Donc là, bon, c'est bien respecté sur ce match-là. Mais il y a peut-être des moments où j'y suis allé vraiment un peu casse-croûte et que j'ai loupé. Il aurait peut-être fallu aussi aller relâcher sur ces moments-là. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment pas mal. On a joué en équipe sur la globalité. Alors, quelques-uns frustrés, mais de toute façon, il y aura toujours des frustrés dans l'équipe. Mais voilà, on a joué pour les autres. Les plus jeunes, ils ont marqué. Donc ça, ça fait grave kiffer. Et puis voilà, c'était un beau match avec des dunks en plus de qualité, des gros dunks. Et ça, j'espère que vous avez kiffé. Juste pour ça, la famille, en plus, si tu restes jusqu'ici, c'est que tu kiffes les vidéos et ça déjà je te remercie, toi principalement qui reste jusqu'à là. Donc juste un like, ça ferait grave grave plaisir. Je te demande pas de commenter si t'as pas envie ou autre, ne t'inquiète pas, mais un like, franchement ça ferait plaisir. Ça soutient la chaîne et ça me soutient moi et j'ai envie d'aller mettre des plus gros dunks. Donc si on explose la barre des likes, j'ai pas d'excuse, je dois mettre des gros dunks la prochaine fois. Puis c'est pour un match, au moins l'échauffement, hein, voilà. Non, mais en tout cas, voilà, ça me fait plaisir vraiment. J'espère que vous serez là à suivre pour les prochains matchs. Je sais que le prochain match, il a Celesta, pas cette semaine-là, mais l'autre semaine. Et puis le dernier match, il sera à la maison. Et puis tout simplement, ça sera contre Mirecourt. Donc voilà, à la maison, ce sera le 9 avril à la maison. Donc voilà, c'est la saison basket qui va bientôt s'achever, mais on va encore profiter. Là, il reste encore des petites vidéos. Bah. Puis voilà, après j'ai du contenu, vous inquiétez pas, quand il n'y aura plus de match, j'ai du gros contenu pour vous, mais pour vous faire progresser de ouf. Donc voilà. Donc voilà, tout le monde va progresser, on progresse et voilà, je transmets tout ce que je sais. Après voilà, j'ai pas toute la science infuse. Je tenais juste à vous dire aussi un autre truc. Tout ce que tu fais, fais-le vraiment, vraiment. Je te garantis pour toi, ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Parce que sinon tu risques d'être déçu et après tu risques de plus travailler pour toi. Vraiment. Moi je te dis ça parce que quand j'ai été blessé, que j'avais le genou cassé, bah en fait tu te rends compte que bah, t'es plus sur le parquet, bah on s'occupe plus de toi. En fait, t'en as juste quelques-uns qui sont là, qui te demandent quelques nouvelles et vraiment les plus proches, mais tous les autres,
tout le monde est absent. Ils attendent juste quoi? Que tu reviennes sur le parquet, que tu rebrilles. Et puis quand tu vas rebriller sur le parquet, ils vont être là, t'applaudir. Ah, oh, c'est super ce que t'as fait. Mais quand tu vas pas bien, ou quand t'es plus là, ou quand t'as plus cette force pour être au basket parce que t'as la jambe en vrac, bah ils sont pas là. Bah dis-toi juste que les gens, tant que tout va bien pour toi, ils sont là. Et quand ça va mal, bah y a plus personne. Donc pense vraiment bien à toi. Fais les choses pour toi. Si t'as des objectifs, je t'assure que c'est possible. Il faut juste être capable de tout remettre à zéro dans ta tête, de redescendre un peu ton ego. Voilà, et dis-toi que tout est possible et ne compte pas sur les autres. C'est un parcours que j'ai vécu et je peux te garantir que si tu peux prendre sur ça, tu verras que tu t'en sortiras beaucoup. Parce que souvent, tu vas être déçu et ça risque de décevoir. Les autres vont te décevoir. Mais si tu fais les choses pour toi, c'est autre chose. Voilà, n'oublie pas, quand tout va bien pour toi, tout est bien, les gens sont là pour toi. Mais quand tout va mal, bah, y a plus personne et puis ils t'enfoncent jusqu'à temps qu'ils peuvent t'enfoncer. Donc voilà, donc là voilà, moi je suis conscient que là pour l'instant ça va bien, tout va bien pour moi. Mais on est conscient que quand ça ira pas, bah ça ira pas le même engouement ou autre. Mais j'en suis conscient, je suis déjà passé par là. Et voilà, donc pour l'instant on profite, on s'enjaille, on sort sur tous les réseaux, que ça soit Instagram, TikTok, je mets une balance tout, il y a de la vidéo de partout. Et si vous voulez des contenus un peu plus différents, bah mettez-les dans les commentaires hein, parce que je vais le voir. Et ça c'est voilà, ça fait plaisir. On se rejoint pour la prochaine vidéo. T'inquiète pas, il y aura une vidéo parce qu'on va faire un match avec le club. Donc voilà, il y aura des trucs à corriger pour progresser. Et comme d'hab, dans des vlogs, on rigole, on progresse et on s'amuse. Et puis on passe le temps sur YouTube avec Delta Lloyd. Les gars, à la prochaine vidéo. N'oublie pas le like, de commenter si tu veux, partager à un pote qui est passionné de basket. Et à la prochaine, les gars. Ah, les gars. Ah, il va, le gars. Putain, merde. Attends, ah, tu vas tirer ma cheville, elle est... il me l'a pété l'eau. Tu fais, il y a des petits coups. Oh là là, ça fait du bien de gagner. De toute façon, les gars, dans pas longtemps, il n'y a plus de match. Faut s'amuser, c'est tout smile. Même si on perd, faut s'amuser. Let's go! Restez abonnés, les frérots.